Qu'est-ce que tu fais? Sabine! J'arrive! Ça fait une demi-heure que tu me dis que tu arrives, alors arrive! Oui! Ah, tout se tourne dans la salle de bain. Ça, ça sent le nouvel amant, c'est sûr. Oh, qui ça? Bonjour, grande sœur. Stéphanie. Bien, entre, ma chérie. Je te dérange pas? Mais non, pas du tout. Ça me fait plaisir de te voir. Assieds-toi. Ah, merci. Tu veux un peu de thé? J'en avais fait pour Sabine, elle est pas là. Ah oui, je veux bien, merci. C'est agréable, hein, ici. Oui, pourquoi tu dis ça? Tu as des problèmes avec Marc? Avec Marc? Oh non, t'es folle. Comment est-ce qu'on peut avoir des problèmes avec quelqu'un d'aussi merveilleux que Marc? Oh, je dis ça comme ça. Oh. Non, moi, je dis que je trouve cet endroit charmant. Mm-hmm. Je sais pas, c'est l'atmosphère féminine. Au fait, elle est pas là, Sabine? Mais si, elle est là-haut, je t'ai dit. Sabine! Sabine! Ça y est, je suis prête. Oh, Stéphanie, tu es là. Oui, oui, j'ai passé. Bonjour, Sabine. Bonjour, Stéphanie. T'as l'air en pleine forme, hein, toi? Tu trouves? Ah oui? Bah, ça arrive peu. Après une heure passée dans la salle de bain à se pomponner. J'ai passé une heure dans la salle de bain? Eh oui. Tant que ça? Eh oui, tant que ça. Moi, j'avais pas remarqué. Tu veux du thé? Du thé? Non, je veux pas de thé. Je veux juste une tasse de thé. Oui, oui, elle a l'air très en forme, hein. C'est bien ce que je disais. Vous trouvez pas que la vie est belle? Si, très divine même. Ça, je me demande bien ce qui t'arrive. Enfin, suis-je bête? Je le devine. Après une heure passée dans la salle de bain, je sais bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Sabine a un nouvel homme dans sa vie. Mais une mine réjouie pareille, ça, je connaissais pas encore. Oh, les filles, je suis heureuse, je suis tellement heureuse. Quoi, c'est Benoît qui te rend comme ça? Qui? Bah, Benoît, mon ex-fiancé. Benoît, son ex-fiancé, celui que tu as embarqué hier après-midi, tu te souviens? Ah, Benoît! Oh non, Benoît, c'est fini. Quoi, t'as déjà un nouvel homme dans ta vie? Eh oui, la consommation de Sabine, c'est digne du livre des records. Au début, on est surpris, mais ensuite, on s'y fait. Ça, alors, 24 heures après, déjà un nouveau. Et t'as l'air très, très amoureuse. Oh oui. Oh oui, c'est bien la première fois que je te vois dans un état pareil. Mais c'est parce qu'il est pas comme les autres. Ah, il est pas comme les autres. Oh, arrête de te négative, Claire. Regarde comme elle a l'air heureuse. Mais j'ai pas l'air heureuse. Je suis heureuse. Vous savez, avec Pascal, je crois que c'est la bonne. Oui. Avec Benoît, hier après-midi aussi, c'était la bonne. Et avec Jean-Yves, il y a deux jours, c'était la bonne aussi. Et il y a une semaine avec Robert, c'était aussi la bonne. Et la semaine d'avant, comment il s'appelait déjà celui-là? Oh bah si tu crois que j'en souviens. Ah, Philippe, c'est ça, Philippe. Avec Philippe, c'était le grand amour. Mais non! Je t'ai jamais dit qu'avec Philippe, c'était grand amour. Je t'ai dit juste que j'avais passé une bonne nuit, rien de plus. Ah, excuse-moi, avec tous ces hommes, moi, je m'y perds. Tu perds, toi, avec les hommes de Sabine, parce que... avec les tiens, effectivement, t'arrives à trouver plus facilement tes repères. Qu'est-ce que tu veux dire, là, exactement? Non, 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 rien, rien. Non, Karen m'a tout raconté. Ah, je vois. Celle-là, même à distance, elle arrive à m'énerver. Et toi, évidemment, comme tu prends toujours son parti... Oh, mais vous disputez pas aujourd'hui. Je suis tellement heureuse. Vous savez, je crois que Pascal... c'est l'homme de ma vie. L'homme de sa vie. Je rêve. Non, mais toi, évidemment, les histoires d'amour, ça t'a jamais intéressé. Mais moi, j'adore ça, les histoires d'amour. Sabine, vas-y, parle-moi de lui. Attention. 1, 2, 3, 4. Cessez. C'est trop dur. Pardon? C'est trop dur. Mais madame Belpech, c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais c'est pas parce que vous avez perdu votre voix que vous pouvez pas développer vos pectoraux non plus. Vous avez... Attention, attention, attention. 1, 2, 3. Cessez. Madame Bellefeuille, cessez, je vous explique. Cessez, c'est après 4. C'est 1, 2, 3, 4. Cessez, ok? Et c'est reparti. Attention. 1, 2. Et les yeux faits, Madame Bellefeuille, vous jouez à quoi, là? Oh, mais
Gérard, c'est trop dur pour moi. Je suis trop fatiguée, j'en peux plus. Gérard, ça va durer longtemps encore. Ah ben, à ce rythme-là, 3-4 ans, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Après tout, Gérard, et si on faisait un petit massage, ça aiderait pas? Un petit massage? Mais Madame Bellefeuille, le massage, ça n'a jamais développé de muse. Ouais. Attention. Gérard, Gérard. Qui c'est lui là-bas? Qui ça? C'est Monsieur Pétouf, un de vos clients. Il a l'air drôlement distingué, hein. Puis alors en plus, il a un physique formidablement original. Oui, on peut dire ça comme ça, quoi. Enfin bon, voilà. Gérard, Gérard, aidez-moi à me lever parce que je me sens attiré irrésistiblement par lui. Vous êtes une coquine, vous. Vraiment, attention vos jambes. Merci. Ah, mais attention. Ah bah aidez-moi, mesdames. Gérard, vous avez vu, il m'a remarqué. Eh ben Gérard, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches des fourmis? Eh non, c'est... Eh ben ça, jolie fille. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment t'expliquer, Claire? J'ai comme une impression, mais d'accompagner un pachyderme au troisième étage de la Tour Eiffel, alors forcément... Vous allez à la piscine, vous? Non, à la cafette, j'ai rendez-vous avec un... avec un ami. Toi, t'es amoureuse, hein? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as des petites lueurs dans tes yeux qui ne trompent pas, ma chérie. Et comment? Jeune, beau, sportif, grand, élancé, formidable, intelligent. Oui, il est comme ça. Tu le connais, toi, Claire? Et on va voir. Mais oui, j'ai rendez-vous ici avec lui. Ah, d'ailleurs, c'est pour ça que Claire est là, n'est-ce pas, Claire? Non, pas du tout. C'est l'heure à laquelle je viens faire de la gymnastique, oui, comme je fais tous les jours. Oui, oui, bien sûr, oui. Le voilà. C'est lui, là? Oui. Oh, mais c'est un beau garçon, oui. Sabine, mon amour. Pascal. Oh, c'est beau, oui. Tu trouves? Viens, je te présente. Ouais. Alors... Claire, mon amie, avec qui je partage mon appartement. Enchantée. Moi de même. Bon, ben moi c'est Gérard. Salut. Bonjour. Bon, on s'assied? Oui, ben attendez. Je vous installe une petite table et puis je vous apporte des rafraîchissements. Ouais, mais non, Gérard, c'est pas la peine, on va aller à la maison. Venez. Mais quoi, à la maison? Mais je croyais que tu... Mais c'est beaucoup plus chaleureux à la maison. Je croyais que tu voulais pas que j'emmène deux garçons à la maison. Oui, je sais bien, mais là c'est différent. Pourquoi? Parce que ma chérie, je vois bien que c'est l'homme de ta vie. Alors comme ça, vous êtes sociologue. Ça doit être passionnant comme métier. Bon, vous savez, c'est un métier comme un autre. Tu es trop modeste, mon chéri. Pascal dirige un important laboratoire de recherche. C'est une pointure dans ce domaine, tu sais. C'est bien ça. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est de faire un métier qui vous plaise. Et moi, je trouve ça très intéressant d'étudier les mœurs et les comportements des humains dans notre société. Oh, comme je vous comprends. Oh, t'en verrais vite, tu en veux un autre? Ah non, non, je ne voudrais pas abuser de l'alcool à jeun. Oh, mais bien sûr que je suis bête, j'ai oublié les amuse-gueules. Je vais en chercher, j'arrive tout de suite. Tu veux que je t'aide? Et moi, je vais rester tout seul? Non, non, Claire va te tenir compagnie. Je suppose qu'on vous a dit très souvent que vous avez de beaux yeux. Ah, oui, assez souvent, en effet, mais ça fait toujours plaisir de l'entendre à nouveau. Eh bien, chère Claire, je vous le dis, vous avez de très beaux yeux. Ah, merci, merci. À propos, comment avez-vous fait la connaissance de Sabine? Oh, je ne sais plus, dans une soirée, je crois. Non, bah, parlons plutôt de vous. De moi? Mais de moi, il n'y a pas grand-chose à en dire. Vous êtes mariée? Oui. Ah. En fait, j'ai quitté mon mari. Ça fait déjà un certain temps. Claire? Oui? Occupe-toi bien de Pascal, j'ai trouvé les petits fours, j'ai fait réchauffer. J'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas, prends tout ton temps, je m'occupe de lui. Et en dehors de votre ex-mari, vous avez un homme dans votre vie? Oui. Ah. C'est mon fils. Il s'appelle Vincent, il a 14 ans. Je suis folle de lui.
À part lui, personne d'autre. Non, ce n'est pas possible. Oh, mais si. Non, vous moquez de moi. Une jolie femme comme vous. Mais si, mais si, mais si, je vous assure. Les hommes, quand ils réalisent qu'on a un enfant, ils prennent vite la fuite. C'est vrai, j'ai toujours dit que les hommes étaient idiots. Vous avez fait une étude là-dessus aussi. Oui. D'ailleurs, les plus bêtes, vous voulez que je vous dise ? Ce sont ceux qui sont éloignés de si jolis yeux, d'une si jolie bouche, d'un si joli petit nez. Oh, Pascal, vous me faites rougir. Renoncer à tout ça à cause d'un enfant de 14 ans. Oh, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à leur place ? Ben, j'aurais pas pu renoncer. Oh, c'est vrai, ça, Pascal ? Oui, vous êtes trop belle. Oh, ne dites pas des choses pareilles. Si, j'ai une envie folle. C'est pas possible. Ça m'étonne pas. C'en est une qui a des pulsions. C'est comme moi, de temps en temps, j'ai des pulsions. Et puis, je suis irrésistiblement attirée par un homme. Je sais même pas pourquoi. Et Pascal ? Et ben Pascal, il vaut pas mieux qu'elle. Ma pauvre chérie. Tu dois être terriblement déçue. Quand je pense que j'avais rencontré l'homme de ma vie. Ah bon ? Et vous le connaissiez depuis combien de temps ? Mais quelle horreur! Séduite et abandonnée en deux jours! Bonjour, Marc! Je suis là! Marc, excusez-moi, je suis venue un peu en retard pour faire le ménage. Parce qu'il y avait un nouveau client à la salle. Vous voyez, monsieur Pitouf. Vous connaissez? Non. Bon, alors, monsieur Pitouf, dès qu'il m'a vu, il a eu comme une émotion. Et puis après, il est resté collé à moi tout le temps. Oui. Vous êtes jaloux, hein, Marc? Non, j'en jette le produit vaisselle. C'est pour laver la vaisselle, c'est pas pour le boire. Hein. Je comprends rien. Ah, t'es là, mon amour? Oui. Bonjour. Tu m'as manqué. Vous êtes là, vous? Bonjour, Marc. Bonjour. Ah, oh, écoute, la pauvre Sabine, il lui est arrivé une histoire horrible. Ah oui? Oui, figurez-vous que Claire lui a volé son nouveau fiancé. Ah, Benoît Machin Chouette, là. Mais non, 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 un nouveau. Un nouveau, déjà? Oui, non, mais c'est affreux, non, quand même. Ah bah oui. Mais Claire, vous vous rendez compte? J'aurais jamais cru capable de ça. Ah oui. Ah bah moi, ça m'étonne pas. Elle le portait dans ses yeux. Qu'elle était incapable de contrôler ses pulsions. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Un ours dans la famille? Ah non, tu vas quand même pas prendre la défense de Claire, tout de même. Mais, enfin, pas du tout. Mais je veux dire, bon, elle voit un homme, il est pas mal, elle craque, c'est compréhensible, ça m'arrive souvent, moi. Oh. Et alors? C'est vrai, ça. Et alors? Ben, je veux dire que c'est une femme. Et ça reste une femme, alors bon... C'est le sexe faible, quoi. Mais ça n'a aucun rapport, le sexe faible, ça veut dire... physiquement moins fort que vous, les hommes. Hein. Oui, enfin, physiquement et moralement. Parce que moi, je connais aucune femme qui peut résister à ses pulsions comme nous, les hommes. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Attends. Tu penses pas sérieusement ce que tu viens de dire, mon amour? Ah bah si, quand même, complètement. Ah bon? Bah si, c'est pour ça qu'on vous aime d'ailleurs, mon petit amour. Eh ben voilà ce que j'en pense, mon amour. Désolée, moi, je suis pas comme ma sœur, on ne me marche pas dessus. Si seulement une minute, j'avais pu penser qu'un sociologue puisse être aussi... musculeux. Et moi, si on m'avait dit qu'une mère de famille pouvait avoir un tel corps de déesse. Oh, Pascal, tu ne penses pas quand même que nous avons été un petit peu trop loin? Mais Claire, on a dit qu'on n'en parlait plus. Ah oui, c'est vrai, certes. Mais Sabine est mon ennemie tout de même et je... C'est pas très sympa ce que nous avons fait par rapport à elle. Mais Claire, c'est la nature, la société qui est faite comme ça. Oui. On n'y peut rien. Non, il faut avoir la modestie de reconnaître que sous l'aspect d'être intelligent et réfléchi, nous ne sommes tous que des animaux. Répondant qu'à l'appel de notre instinct. Oh, mon amour. Et contre ça, on ne peut rien. Oh, c'est fou ce que tu parles bien. Tu sais, j'ai aucun mérite, c'est mon métier. Oh. Tout de même, je devrais aller laisser un petit mot à Sabine, non? Bah, et pour lui dire quoi? Que tu es désolée? Non,
étrange. Que tu n'as pas fait exprès? Non, je... Et que tu ne recommenceras plus? Oh, si, je recommencerai bien. Et puis ce truc. Ça va, Stéphanie? Non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que j'en ai ras-le-bol des hommes. Oh bah c'est que ça, bah, moi aussi je suis dans le même cas que toi, alors, tu sais. Mais non mais ce besoin de se sentir toujours supérieur, non mais c'est insupportable à la longue. Et puis il roule. Oh bah ça il roule, hein, il roule des mécaniques. Et puis au moindre coup dur, et bah au moindre coup dur, y'a plus personne. Mais qu'est-ce qu'il pense avoir de plus que nous? Ah bah ça c'est le... Oui enfin bon, c'est pas pour un petit truc en plus que qu'ils sont plus intelligents, plus forts quoi, je sais. C'est terrible parce que tu vois, il m'énerve. Mais tu vois, Gérard, hein, le pire, c'est que. Il nous énerve tous autant qu'ils sont, mais qu'on peut pas se passer d'eux. Ça, je suis d'accord avec toi. Stéphanie? Quoi? Tu t'es disputé avec Marc, c'est ça? Comment t'as deviné? Oh, bah, tu sais. Ah non, mais tu connais pas la meilleure. Ma sœur, elle fait n'importe quoi. Elle pique le fiancé de sa meilleure amie et tu sais pas ce qu'il a dit, lui? Ben non, parce que tu vois, les réactions viriles, ben, c'est pas trop mon truc. Je sais pas, lui a dit que c'était une cochonne. Penses-tu? Il a dit bof, et c'est normal, c'est une femme. Ça c'est énervant comme réflexion. Ah oui, ça c'est très énervant. C'est Marc! Tu l'aimes plus, tu veux plus voir, c'est ça? Mais non, ça n'a rien à voir avec ça, mais non. Il m'énerve, c'est tout. Écoute, retiens-le, j'ai pas du tout envie de le voir. Sinon, je suis capable de faire un scandale! Pas de scandale! Pas de scandale, je me dévoile, t'inquiète pas! Gérard, oui. Tu veux, Stéphanie? Si, enfin non, c'est... Bon, allez, avec la fête, Marc, faut absolument que je te parle. Non, mais j'ai pas le temps, là! Non, attends, c'est important, Marc. Non, non, écoute, ce qui est important, oui. C'est Stéphanie. Oui, tu vois. Oui, non, mais attends, Marc, non, écoute, Marc, je suis désolé, va falloir que tu passes sur mon corps, mais Gérard, tu me laisses passer ou je te démolis? Non, mais attends, Gérard, non, mais attends, Marc, écoute, Marc! Non, mais laisse-moi, bouge-moi! Gérard, il y a un muscle qu'il faut que tu travailles, c'est le cerveau! Stéphanie! Fait mal. Gérard, t'as mal? Ben oui, j'ai pris un coup sur le pied. Et ton copain? Il est là-bas, près de la piscine. Je monte parler un petit peu à Sabine. C'est ça. Non, mais t'inquiète pas, ça va très bien pour mon pied. Je vais me débrouiller. Bien, merci. Oula. Oula. Qu'est-ce que tu fais de trémousser, toi, comme ça? Qu'est-ce que je fais, Marc? Mais je souffre, c'est tout. Oh, si tu savais ce que m'a dit Stéphanie, hein, tu comprendrais ce que c'est que la souffrance. Oui, sûrement. Vous avez pas rompu, Marc? Rompu? Mais tu plaisantes! Non, elle m'a demandé à réfléchir, alors tu comprends bien que ta jambe, Gérard! C'est sûr! Ah, c'est sûr! Moi, c'est Stéphanie, mais toi, c'est lui! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi j'ai les matomies qui montent à la tête, c'est pas possible. Ah non mais alors les bonnes femmes, c'est pire que les bonhommes. Mettez-vous là, j'en ai juste pour une minute. Hein. Pourquoi, y a un problème? Vous vivez pas seul? Ah oh, si. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, il y a ma femme de ménage qui vient tous les jours. Et comme, bon, elle est presque aveugle, à moitié impotente, je préfère vérifier. Mais bon, j'en ai juste pour une seconde, hein, d'accord? Ok. D'accord, hein? C'est juste pour boire un verre. Oui, bien sûr. Juste pour un verre. Qu'est-ce que... Asseyez-vous, hein? Qu'est-ce que je vous sers? À ce que vous voulez. Oh. Avec vous, je boirai n'importe quoi. Oh, Pascal, soyez raisonnable. Mais comment voulez-vous que je sois raisonnable? Tout à l'heure, quand je vous ai vu rentrer dans la salle de sport, en l'espace d'une minute, d'une seconde, toute ma vie a chaviré. Non, n'exagérez pas tout de même. Mais si, je vous assure.
Jamais aucune femme ne m'avait flashé comme vous venez de le faire. J'ai vraiment pas fait exprès. C'est ce qui fait tout votre charme. Oh, Stéphanie, je crois que je connais... Oh, Pascal ! Vous avez mon refus. Oh, c'est pour moi, ce gros bouquet. Oh, Pascal, c'est trop gentil. Comment ça, Pascal ? Mais c'est moi, le bouquet ! Et qui c'est ça, lui ? Bah, Pascal, et vous ? Qui suis moi ? Il est chez moi avec la femme de ma vie ! Et il demande qui suis moi ! Mais il plaisante ! Marc, ça suffit, calme-toi. Alors, je t'avais apporté des fleurs, pour me faire pardonner. Regarde ce que j'en fais, des fleurs ! Regarde ce que je fais, des fleurs ! Pas malheureux, se conduire comme ça. Quelle indécence. T'es bien placée pour le savoir. Bon, enfin, moi c'est pas du tout la même chose, j'ai pas d'homme dans ma vie. Oui, enfin, ça t'a pas empêché de me piquer mon petit ami. Oh, alors là, excuse-moi, mais tu ferais bien de me remercier. Je t'ai évité une grosse bêtise. C'est une façon de voir les choses, hein. Ce qu'il est beau quand même. Oh oui, ce qu'il est beau, beau. Ça fait bien un mois que j'ai pas eu un garçon aussi beau, 3 semaines un garçon aussi intelligent, 15 jours un garçon aussi riche. Et hop là, en 2 jours, un garçon qui réunit ces 3 qualités. Quel gâchis, un garçon si bon. Remarque, ils forment beaucoup tous les deux. Quoi? Non mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu vas pas dire que... Bah pourquoi pas? C'est tout l'effet que ça te fait. Tu sais, c'est le premier coup qui compte, hein. Oh non, et Marc, t'as pensé à ce pauvre crétin de Marc, abandonné comme un chien par ma sœur? Je croyais qu'il te convenait pas comme beau-frère. Mais non, il me convient pas du tout même. Je le préfère encore à celui-là. Moi, ah oui. Ma sœur sera tranquille. Oui. Comme ça, elle te laissera la place. Pff, n'importe quoi. Attention, chut, on arrive. Oh, Sabine, t'as raison, il est vraiment charmant. Oui, on est plusieurs à partager ce sentiment, si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi tu dis ça pour moi? Ah non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Ah bon? Oh ben oui, non. Mais non, j'en ai rien à faire de lui. Je me sers de lui pour rendre jaloux Marc. C'est vrai, il m'a tellement énervée. Bien sûr, c'est cela, oui. Oh, tu sais, moi aussi, ce garçon ne me fait ni chaud ni froid, je peux te le dire. De toute façon, vous m'avez rendu service, parce que ce garçon est un malade. Il lui faut une fille toutes les heures. Oh, là, t'exagères un peu. Ah oui? Tiens, regarde. C'est fou, hein. Quand je vous ai vu arriver, en l'espace d'une seconde, toute ma vie a chaviré. À ce point-là? Ah oui. Vous avez bien dit chaviré? Ah oui, complètement, oui. Ah bon? Et donc comme ça, vous pourrez dire que vous avez chaviré pour de bon. T'es vraiment la plus forte! Ah non, mais c'est vraiment génial, c'est tout ce qu'il méritait! Absolument, oui! Vous connaissiez? Ah non? Non, pourquoi?